Le jeûne est l'une des clés essentielles pour tisser une alliance avec Dieu. Pour ce fait, la communauté chrétienne de l'église Meusi de la région de Yamoussoukro a organisé à Bono un jeûne de 3 jours dénommé le jeûne d'Esther pour la paix en Côte d'Ivoire à la suite d'une révélation sous thème « C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix » tirée dans le livre de Nombre 25, verset 12. L'objectif de ces 3 jours de jeûne était de confier la Côte d'Ivoire et tous ses habitants à Dieu. Comme les initiateurs l'ont noté, c'est à la suite d'une révélation selon laquelle on devait jeûner pendant 3 jours pour la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Alors, si on prie qu'il y ait la paix, on peut aller au culte, on peut vivre en paix. Si on prie qu'il y ait la paix, nous pouvons continuer de faire les programmes. Ce programme a enregistré les fidèles chrétiens de l'église Meusi, venus des 24 régions de la Côte d'Ivoire, où est implantée la mission, mais aussi des fidèles venus du Burkina Faso, du Ghana et d'autres pays étrangers. Au programme, des prières, des adorations, des louanges et des enseignements. Nous disons merci à Dieu. Nous disons que cette prière de jeunesse est quelque chose de spécial. Les gens sont venus de partout. Les âmes ont été sauvées. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous avons eu la guérison. J'ai vu que les gens se sont donnés pour l'œuvre. Les gens étaient contents pour cela. Ils croient pour faire toute dénomination qui confère le Saint-Esprit, que ce soit l'Assemblée de Dieu, la tour de toi, une autre religion, tout ce qui fait que le revient. Soyons unis. La laissons les divisions. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec d'autres thèmes.